ça va être une journée extraordinaire dans le bois. Pourquoi? Ben, parce qu'on a bien travaillé. Pour sa première saison, il a clenché le record. On a passé à 119 barils. Complètement fou! Champlain, allez! Quatre brebis, puis ça, le chien, il a fait comme « Wow, ça, c'est pour moi, ça. » Donc, toutes les business qu'on avait sont redevenus autre chose. Au lieu d'avoir un chef, maintenant, c'est deux. Ouais. C'est comme, je me suis rendu compte qu'ici, la chose qu'on avait, c'était de l'espace, tu sais. C'est normal, il a fait les cabanes avec mon oncle aussi. T'sais, ces gens-là, tu sais, qui ont laissé leur trace sur la terre, mais dans 20 ans, ça risque d'être là encore, tu sais. Fait que moi, de participer à ça, mais tu sais, je trouve que c'est le fun parce que ça sera comme un de mes legs, là. Il en tire une grande fierté personnelle. Je suis content. T'es bien capoté. Après ça, même pas que tu le mites aussi. T'es bien capoté. Tu as dit qu'il y a de l'action dans le poulailler, hein? Ça jacasse là-dedans, là. Ça met de la vie. Ça met de la vie, je te dirais.